Le percheron, le plus célèbre des chevaux de trait français, est reconnu par nos autorités agricoles pour être le cheval de ferme idéal. Les premiers percherons qui servirent à l'établissement de la race en Amérique arrivèrent en 1839. C'est aujourd'hui la race la plus répandue au Canada et Québec en possède un fort contingent. Ce nouveau-né apprendra vite à marcher sous l'égide de sa mère pleine de tendresse instinctive. Il arrive qu'une jument donne naissance à des jumeaux, signe de l'excellente reproductrice. Le bon éleveur sait donner à la mère tous les soins préventifs avant la mise bas, de sorte que le poulain est non seulement viable, mais vigoureux et précoce. Il a de quoi tenir, bon sang ne peut mentir. Petit poulain brun sera cheval noir. Petit poulain noir peut devenir gris pommelé. Examinons un peu l'apparence du percheron. C'est un cheval de haute taille, massif, alliant la vivacité et l'énergie à une grande force et beaucoup d'endurance. C'est un cheval de trait lourd, à la fois vif et alerte. En outre d'être une bête élégante, le percheron est apte à tirer une bonne charge à une allure rapide et se prête bien à tous les travaux. Son port léger est un indice de vitalité. Toutes ses qualités se reflètent dans sa tête, aux lignes fortes et fières. Un front large et plat, les oreilles pointues, pas trop grandes, et d'une mobilité toute gracieuse. Les yeux grands, éveillés, bien sortis. La bonne poulinière a des traits bien féminins, tandis que la tête de l'étalon accuse une forte masculinité. Il possède une encolure de moyenne longueur. Le connaisseur apprécie très vite la longueur de cou recherchée. Un coup d'œil lui suffit. Le cou doit être gracieusement arqué, très musclé et s'adaptant bien à l'épaule. L'épaule sera inclinée de 45 degrés, sinon le cheval portera la tête basse. Une tête haute démontre plus d'intelligence. La poitrine sera ample et profonde, de haut en bas. Le garrot sera haut et saillant. Plus il est long, plus le dos est court. La largeur et la profondeur du corps sont des indices de capacité digestive, conséquemment d'endurance. La croupe sera large, arrondie, fortement musclée. Le rein droit et solide. L'arrière-train épais et puissant. Un dos court et de rigueur. On tolère qu'il soit un peu encellé, mais jamais trop long. Il faut aussi un flanc court et bien rempli, avec des côtes longues et bien arquées. En outre d'avoir un tronc massif, le percheron doit être bas sur pattes et trapu. Les membres seront relativement courts, nerveux, bien musclés et d'aplomb, les articulations d'une bonne grosseur. À remarquer la position parfaitement droite des pattes antérieures. Les sabots seront suffisamment larges et d'aplomb. De même, les jarrets bien orientés sont des qualités essentielles. Le dicton des éleveurs « pas de pied, pas de cheval » est baroque, mais très vrai. Le sabot du percheron a la texture résistante du pied de la mule, qualité qu'on ne retrouve guère chez les autres races de trait lourd. Toutefois, la corne tendre des poulains pousse vite et ne s'use pas toujours symétriquement. Des tricoises, une rainette, une râpe et un peu d'adresse sont tout ce qu'il faut pour corriger ce défaut d'aplomb. Le parc de l'étalon sera assez grand et bien entouré. Pour être en bon état, l'étalon a besoin d'exercice. Il en prend au pâturage où on peut le laisser courir librement. Certains éleveurs les attellent à une voiture d'exercice ou bien les font travailler un peu. De toute manière, l'étalon a besoin d'une gymnastique intelligemment imposée. Dans les parcs d'élevage, un revêtement de planches prévient les accidents. Les poulinières et les poulains bénéficient du grand air 12 mois par année. Vous comprendrez maintenant la légitime fierté de l'éleveur qui présente une bête si magnifique à l'acheteur éventuel. L'origine orientale du percheron se révèle à son tempérament actif. C'est à ce mélange de sang chaud et de sang froid
on attribue cette forte taille unie à cette vigueur et à cette agilité qui le caractérise nettement. Aux journées chevalines organisées ici et là dans le Québec, le percheron brille au premier rang. Ces manifestations évoquent l'imagerie du Moyen-Âge, représentant des tournois de chevaliers et de preux montés sur leurs valeureux palefrois. Bien étriés et brossés, décorés de rubans et de fleurs, la crinière et la queue tressées, les sabots frottés comme des souliers vernis, les fières bêtes endossent l'orgueil de leurs propriétaires. Si ces soins n'ajoutent rien à la valeur du cheval, ils dénotent tout de même le souci et le goût de l'éleveur, et il est difficile aux juges de les ignorer. Les juges se font d'abord une idée d'ensemble, puis divisent la classe par groupe. Déjà, ils savent où sont les meilleurs sujets et les moins bons. Leur jugement se précise ensuite à l'examen approfondi de chaque individu. On peut être sûr que pas un défaut ne leur échappe et que le champion mérite son titre. Le ruban rouge est la récompense distinctive si convoitée, et il en vaut la peine. La contribution qu'apportent aux journées chevalines les gentlemen farmers est très appréciée des éleveurs. Des spectacles de vaudeville terminent parfois la journée au grand amusement de l'assistance. Chaque année, depuis 1917, il se tient une exposition régionale de chevaux de trait à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les meilleurs éleveurs y prennent part et le percheron y a toujours tenu la première place. Avec une peau mince et le poil fin, les percherons sont en robe de beauté. Remarquez que le percheron est de mœurs très douces. C'est par excellence le cheval des femmes et des enfants, comme disent les cultivateurs. C'est à la grande exposition provinciale de Québec que le percheron paraît avec le plus d'éclat. Les merveilleux champions de chaque district s'y font une concurrence très serrée, d'où la valeur prestigieuse attachée au premier prix. La grande parade attire tous les regards des visiteurs, même les moins intéressés aux choses du sol et de la charrue. Parce que nos cultivateurs ont d'aussi nobles bêtes comme amis de travail et compagnons de peine, on peut dire qu'aucun progrès ne remplacera jamais complètement le cheval dans le cœur de nos gens. Ce jeune éleveur a gagné la coupe. Et il y a, pas loin, un papa qui est fier de son fils. Il se souvient bien du premier cheval qu'il a eu entre les mains, du plaisir qu'il a ressenti à le maîtriser, à l'élever. Plaisir humain, vieux comme le monde. La meilleure façon d'inculquer l'amour du cheval aux jeunes, c'est de leur apprendre à le mieux connaître, de leur enseigner quelles sont les qualités qui nous le rendent précieux. Les concours d'appréciation,
sont une excellente école. Si le cheval est l'ami fidèle de l'homme, on doit ajouter que le percheron est le plus facile, le plus fiable sur la ferme. Bien traité par son maître, il sait lui rendre ce qu'il en reçoit. Le petit citadin, mon Dieu, n'a qu'un petit cheval de bois. Encore, c'est le plus vivant de ses jouets. Après papa et maman, c'est le petit cheval qu'il aimera bien. Mais revenons sur la ferme. Avec un bon attelage, le cultivateur s'en va au champ sans inquiétude. Les labours se font comme par enchantement avec une bonne paire de percherons tirant droit la charrue, fournissant allègrement le grand effort de traction nécessaire. Le percheron travaille sans fatigue apparente. Toujours alerte, docile, intelligent, il obéit au moindre signe de son guide et va jusqu'à les deviner, car il apprend vite ce qu'il a à faire. Ne sont-ce pas là les qualités que le cultivateur apprécie davantage? Pendant la guerre mondiale de 1914, le percheron s'est révélé le cheval de campagne par excellence. Les Anglais furent à même de constater sa vigueur et son endurance, et malgré leur fierté nationale et leur enthousiasme bien connu pour les races de leur pays, ils ont cependant importé des chevaux percherons pour en faire l'élevage chez eux. Voilà le prototype de la vieille jument grise, tant chantée chez nous. Ce sont les qualités de rusticité et d'énergie du percheron qui lui valurent l'estime des éleveurs et sa rapide expansion en Amérique. L'endurance du percheron est précieuse sur la ferme, où il y a beaucoup à faire durant la belle saison. Quand un percheron tend puissamment ses muscles, il déploie une force extraordinaire dans un effort constant, régulier, sans à-coups. Cheval idéal sur la ferme, le percheron est encore recherché dans les villes pour le service de trait lourd. Il a la réputation de durer plus longtemps que tout autre sur les pavés urbains. D'un tempérament docile, facile d'entretien, c'est sans contredit le meilleur cheval de transport pour le commerce. Plus d'une importante compagnie, tant aux États-Unis qu'au Canada, après avoir utilisé le camion automobile, est revenue à l'usage du cheval. Pour le distributeur de lait, il y a plus. L'homme n'a qu'un mot à dire avant de sauter de voiture pour la faire arrêter. Puis il peut marcher d'une porte à l'autre et sa charge de bouteilles le suit comme mu par une intelligence. Pour parler du cheval de parade, oublions les beaux percherons noirs des cortèges funèbres, mais admettons qu'ils font excellente figure le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Il n'y a pas d'erreur, on ne pourra jamais se passer du cheval dans la campagne québécoise en raison de l'hiver. Tenez, parti à 6h du matin pour le bois, on revient dans l'après-midi lourdement chargé. Eh bien, après cette randonnée de 25 000 par un froid sibérien, ces percherons se comportent encore allègrement. N'est-ce pas qu'ils ont l'air frais et dispos? Ces scènes sont authentiques. Dans la sucrerie, il faut un cheval commode. C'est même pour cela qu'on utilisait les bœufs autrefois. Voilà un exemple parfait de la docilité du percheron. S'arrêtant net au commandement et attendant sans broncher mais l'oreille dressée, l'ordre de repartir. Pour lui, la neige épaisse n'est pas une entrave. Toujours alerte, il ne s'énerve pas.
Regardons un peu l'arrivée des voitures avant la grand-messe. Le cultivateur prend son cheval le plus fringant et il en est parfois si orgueilleux que c'est à se demander de quoi il est le plus fier, de sa bête ou de sa carriole d'enfant. Le dimanche au soir, c'est le même cheval pétulant, un peu fougueux, que le plus vieux prendra pour aller voir sa blonde. Il y avait une fois un dénommé Baptiste l'Heureux. Tous ses travaux étaient bien faits et à temps. Il avait une bonne paire de chevaux. Bien différent était son voisin, qui n'avait que ses chevaux avariés, des rosses efflanquées et rétives, toujours de travers dans le bacu. De vrais chevaux harnards, comme on dit. Avec un tel attelage, la charrue ne faisait que fouiller la terre. Ses labours n'étaient pas épais et ses moissons étaient à l'équipollant. Ah, quel désordre sur cette terre, quelle pauvreté! Toute cette pitié commença avec un attelage de bouts de broche. 20 ans après, ce n'était pas mieux. Le pauvre homme était toujours mal attelé, mal bâti, ses instruments oratoires bons pour la ferraille et tout à la traîne. Ses fils étaient chômeurs en ville et on disait de lui dans le rang, il sera bien toujours dans la misère, puis le haria. Chez Monsieur l'Heureux, l'homme d'ordre, regardez-moi ces belles percheronnes. Voilà le secret de sa réussite. En 20 ans, il a amélioré son bien. Chez lui, on sent l'honnête aisance et le bonheur. Beaucoup en tiennent pour le tracteur et le donnent pour bien préférable aux chevaux. Pour aider la discussion, voyons ce qui se passe. Les puits d'huile sont loin. Ça coûte cher d'importer le pouvoir de l'extérieur. Il faut payer pour l'extraction de la matière première, pour sa transformation, pour son transport par chemin de fer et par camion. Du sous-sol à la raffinerie, de la raffinerie au centre de distribution, des distributeurs aux détaillants, voilà une exportation considérable de nos capitaux. Et puis, si les cultivateurs n'avaient pas de cheval pour aller quérir un bidon d'essence au village, son tracteur resterait en panne. Tandis que le cheval est un symbole de l'achat et de la production chez nous. Le tracteur a des origines étrangères à l'agriculture et l'huile qu'il alimente n'est pas un produit agricole, tandis que le cheval constitue lui-même un débouché aux produits de la terre. Il naît sur la ferme, grandit sur la ferme, se répare sur la ferme. Le tracteur a du bon sans doute, mais qu'arrive-t-il quand il s'enlise ? Dans beaucoup de cas, il serait préférable d'acheter un bon étalon pour la reproduction d'autres tracteurs bien vivants, manufacturés chez nous, et qui travaillent pour environ 10 cents de l'heure, l'hiver comme l'été. Les qualités de rusticité, de vigueur et d'endurance du percheron lui valent l'estime de tous les cultivateurs, et nous expliquent sa rapide expansion en Amérique. Et c'est parce que le percheron va venir le soir sans fatigue que le cultivateur, sans se lasser, trime jusqu'à la brunante, le cœur content après une grosse journée et plein d'assurance en de profitables lendemains.